Bon matin à toutes et tous, on se retrouve eh bien pour cette dernière semaine du mois de mars. Nous sommes lundi 27 mars 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un joli week-end. Avant de commencer, mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Aujourd'hui, j'ai pigé compassion. Je peux guérir le monde grâce à l'énergie de la compassion qui se déverse sans cesse de mon cœur. Alors la compassion, cette carte, elle vient vous dire de vous libérer des jugements qui sont beaucoup trop sévères que vous vous faites et que vous répétez ça toujours. Vous vous jugez trop durement. On vous demande d'être indulgent vis-à-vis de vous et alors avoir de la compassion pour autrui, avoir la compassion pour les personnes de votre entourage et ne pas être une éponge qui prend tout, c'est-à-dire la tristesse, les problèmes, les malheurs des autres, ça ne vous appartient pas. Alors mettez une barrière, hein, et ayez de la compassion. C'est pas parce que vous avez de la compassion que vous n'avez pas de cœur. Cela ne veut pas dire cela, n'est-ce pas? Alors la compassion déjà pour soi, c'est une pratique de guérison intérieure. Et cette compassion, la compassion est une vertu spirituelle essentielle et elle est un signe, eh bien, elle est un signe de maturité de notre évolution intérieure. Et cette compassion que nous avons pour les autres est aussi très importante à développer pour soi-même. La compassion pour soi est un outil puissant de guérison intérieure. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas vous juger durement. C'est la capacité de percevoir la souffrance des autres, à y être présent sans jugement et dans la bienveillance et sans prendre la souffrance des autres. Elle comporte aussi l'intention de remédier à cette souffrance. Et cela, ça peut se faire par votre présence. Alors ça peut être une souffrance qui a été faite par un échec, hein, une limite de quelque chose que vous ressentez, un aspect de vous-même que vous n'acceptez pas. La compassion peut aussi, eh bien, s'exprimer par un geste concret. Quand il s'agit d'une situation d'urgence, une maladie ou une grande misère socio-économique comme nous la vivons aujourd'hui, mais au-delà du geste, c'est encore, vous savez, c'est l'intention bienveillante qui donne la fondation énergétique de la compassion. La compassion pour soi est gentillesse pour soi plutôt que jugement de soi. Sentiment d'inclusion dans l'humanité plutôt qu'isolement et présence à soi en pleine conscience plutôt que suridentification à nos pensées et nos émotions. Alors, cette compassion, eh bien, la fleur de la compassion, elle vient atteindre à présent votre vie. Elle va vous remplir de cette belle énergie nourricière. La compassion pour vous, la compassion pour toi, pour ta situation, ton chemin de la vie, tes pensées, tes actions, ainsi que pour ton être, mais aussi
pour toutes les étapes de ton développement. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes actuellement traversés par cette énergie de l'empathie qui métamorphose tout. Plus profonde est cette compassion envers toi-même que tu éprouves en ce moment, eh bien, plus grande sera également la sensibilité que tu développeras à l'encontre de tout le vivant. Le temps est venu maintenant. Le temps est venu, cette énergie constructive, optimiste. Elle est à présent mise à ta disposition dans une large mesure et tu vas faire preuve de plus de compréhension à l'encontre de tes contemporains et de toutes les créatures qui croisent ton chemin. Tu vas t'immerger profondément dans l'énergie céleste d'un cœur compatissant qui te guide sur le chemin de l'inspiration, sur cette voie, eh bien les énergies de l'amour et de la compassion inconditionnelle sont tes compagnons de route, dès à présent. Et dès à présent, tu es rempli de ces énergies créatrices, puissantes, afin que tu puisses emprunter le chemin de ton inspiration et le chemin de guérison. Sois dans la compassion pour toi-même et dans la compassion pour les autres. Quel beau message, n'est-ce pas, pour commencer cette semaine. Je termine avec le petit oracle des couleurs et ces roses bonbons. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Mais vous voyez, voilà, ne soyez pas trop dur avec vous. Soyez indulgent, ne soyez pas sévère avec vous et avec les autres. Pardonnez. Pardonnez. Je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.